s'est masqué et appuyé sur une béquille. Alain Delon s'est présenté ce vendredi aux obsèques de Jean-Paul Belmondo en l'église de Saint-Germain-des-Prés. La veille, celui qu'on savait affaibli par ses récents ennuis de santé avait fait l'impasse sur l'hommage national présidé par Emmanuel Macron dans la cour d'honneur des Invalides. À son arrivée, l'interprète du samouraï a été acclamé par les centaines de fans de BBL massés devant l'église. À la demande des photographes et des caméras de télévision, l'acteur âgé de 85 ans a retiré son masque et posé quelques instants, plutôt souriant, avant d'être rejoint par son fils aîné Anthony. Alain Delon et Jean-Paul Belmondo ont tourné ensemble à 8 reprises, de Sois belle et tais-toi de Marc Allégret en 1958, au film de Bertrand Blier, Les acteurs en 2000. Souvent opposés à tort par les médias, les deux hommes entretenaient une belle amitié, encore affichée en une de Paris Match en 2019 pour ce qui restera leur dernier entretien commun.